Non, exactement. C'est comme je vous l'ai dit, là, Dibouche, là, c'est une future star, là, futur champion du monde. Là. Mettre les gants avec lui, là, man, les deux, on se brasse, les deux, on s'apprend, on évolue vraiment beaucoup. Point de vue technique, là, il est vraiment rendu loin. Il est plus loin que moi. C'est sûr qu'il n'a pas les fibres musculaires, mettons, que j'ai, là, l'explosivité, la rapidité, mais il est vraiment rendu loin puis il est prêt pour... Fait que moi, tu sais, j'ai pas besoin de... Pour moi, c'est le meilleur. Je mets les gars avec n'importe qui. Pour moi, c'est le meilleur, fait que... Y aurait-tu pu battre les adversaires que t'as battus? Non, ils auraient tous battu. Ouais? Ils auraient tous battu, je vous dis, man. C'est une question de temps pour que... Le monde s'en rende compte. Ah, oh, ouais. Exact, le monde s'en rende compte. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis comme je disais, il est bon... C'est un bon coach. T'sais, il n'est pas juste bon dans le ring. Là. Il monte des trucs au club. Il aide les nouveaux et tout. Puis, il est vraiment bon. Là. C'est un des meilleurs coachs qu'on a dans le gym avec François Duguay. Donc, t'sais, pour l'instant, je reste avec eux autres. Puis, de temps en temps, comme je dis, s'exiler, aller à gauche, à droite pour juste voir Lucien travailler avec Steph. À chaque fois que je vais là-bas avec eux autres, j'apprends beaucoup, je reviens, on pratique ça. On prend ça d'un peu partout, on reste ouvert.